Dans la même lignée, on va lancer Silent Hill Homecoming, parce que j'ai envie de te dire pourquoi pas, et en difficulté normale. J'accepte cette luminosité. Les ennemis sont attirés par la lampe d'Alex. L'éteindre vous permettra peut-être d'éviter des confrontations. Ok, je peux rester dans le noir, hein, c'est pas grave. Shattered Memory, c'est un remake du 1. Oh! Where's my squad? Are they here? Did they make it? Hey, hey, talk to me. Say something. Oh God. Oh God. Hey, hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you? Ça a pas l'air d'être un endroit très très fun. No. Hey. No. Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait. Where are you going? Don't leave me here! Il a pas l'air ouf, hein. Ah, ça commence direct. Attendez, j'étais en train de régler. Mais je peux rien régler, là, du coup. Oh bah. Ok, j'arrive à me libérer. C'est tellement bien au niveau de la maniabilité là. Allume la torche. Il y a de la physique et tout. Non, en 4 ans quand même, ils se sont vachement améliorés en moteur de jeu. C'est rare en fait les jeux avec la physique, ils en font plus maintenant. La note d'un docteur. Le patient de la chambre 206 doit subir une lobotomie transorbitale demain. Ouf, j'ai ordonné que la dose des médicaments suivants soit doublée le jour de l'opération. Je pensais que les lobotomies ne se faisaient plus. Qui a planifié cette opération? Alors non seulement une lobotomie ça se fait plus, mais en plus c'est par l'œil. Hello. Le mec il est pas bien, tu vois, il est en mode mais je suis où là? C'est moi, le son est un peu faible dans ce jeu. Hey. Ouais, j'aurais pu essayer, hein. Ça aurait pu être bon. Ah ben voilà le code, 62. On peut pas sauvegarder avec la... Il n'y a pas une commande sur la sonorisation, il ne semble pas fonctionner. Une chose est inscrite sur la surface de la radio. 6, 2, 4. Alors du coup c'est le côté gauche, hein. 6, 2, 4 et c'était déchiré. C'est-à-dire qu'il doit trouver l'autre moitié. Qui doit être quelque part. Notre sécurité était compromise. Un patient a utilisé une radiographie pour noter le code du portail. Nous avons récupéré la première moitié, mais la seconde manque toujours. Si vous trouviez le morceau, assurez-vous de prévenir immédiatement. Ok. C'est impossible d'écrire un message ici. Je suis seul à avoir le son que du côté droit pour le jeu, mais pas pour la voix de Seros. Vous avez tous le jeu du côté droit? Écrit boobs en chiffres. Non? Ok, d'accord. Bah, c'est ton câble qui doit être cassé en fait. Y'a des bébés? J'ai une boisson de santé.
une page d'un compte-rendu d'incident. Le patient s'est avancé vers la fenêtre pour sauter, puis a dévasté la chambre adjacente. Le patient n'a pas réagi aux ordres verbaux. Les trois membres du personnel ont fini par maîtriser le patient. Le patient est entré dans un état catatonique et a arrêté de réagir à des stimuli extérieurs. Les mesures de restriction n'ont pas été nécessaires lors des sessions thérapeutiques d'électrochoc de la semaine suivante. Oh non, une poupée d'enfant apparemment brûlée. Je me demande comment c'est arrivé ici. C'est un incubateur pour bébé. Ah ben voilà l'autre morceau. Prendre la radiographie. Oh putain, mon téléphone a vibré en même temps. J'ai la radiographie. On va pouvoir la mettre de l'autre côté. La serrure est cassée, je ne peux pas ouvrir cette porte. Les bébés qui pleurent dans un jeu d'horreur, ouais, c'est toujours un... Oh là là! Cette physique! La meilleure hygiène. Ils arrivent toujours à m'avoir avec le même type de... Le même type de... Comment de... De jumpscare à chaque fois. Pourquoi je petit bague? Non! Allez, gigot, à plus, sweet! Y'a pas plusieurs fins celui-là? Non, je crois qu'il y a plusieurs fins à tous les. Comment je fais pour utiliser mon truc, moi? Ah! Comme ça. Six, deux, quatre, huit, sept, deux. Six. Oh. Six. Six. Deux. Quatre. Huit. Sept. Deux. Hey Josh! Je sais pas t'es qui Josh, mais... C'est son fils peut-être? J'ai un dessin d'enfant. Yay! Josh! Josh, stop! Il y a une espèce de symbole derrière. J'aime pas trop le bruit. Ah, c'est un truc de sauvegarde, d'accord. Accès aux parties sauvegardées. Ok, sauvegarde partie en cours. Sauvegarde réussi. Alors, le truc, c'est que. À chaud, là, comme ça. En termes de maniabilité, etc., c'est y a pas à chercher, c'est beaucoup mieux en fait que le précédent. Mais en termes d'ambiance, je trouve que le premier était... Enfin, le premier, le Silent Hill 4 The Room avait un truc un peu plus creepy en fait. Je sais pas, au niveau de l'ambiance, c'était plus lent et du coup c'était plus creepy, tu comprenais un peu moins rien les choses. Ici c'est un peu, j'ai envie de dire, classique. Après le truc c'est que faut pas oublier que le jeu est sorti en 2008. Donc du coup, ce qui est classique en 2022 n'était pas forcément en 2008, mais bon, voilà. J'ai un couteau de combat. Ok. Je crois que c'est le moment. J'aime bien, c'est bien fait ça par contre. Oh non! Elle a des gros boobs! Elle a pas de culotte! Et elle a pas de visage non plus. Je fais comment pour l'attaque? Avec ça. Ah, comme ça. Wouh! Wouh! J'ai joué à Dark Souls, moi! Je joue à Elden Ring et Dark Souls, hein. Non mais... Je peux la loot ou pas? Non, on peut pas la loot. C'est un jeu d'or où tu peux te défendre? Ouais. Bah c'est comme Resident Evil, on peut se défendre. La serrure est cassée, je ne peux pas l'ouvrir. Oh, on peut passer par là. Je vais prendre la trousse de soin. Mais je ne me suis même pas fait toucher. En plus.
La physique dans ce jeu est impressionnante. Pour un jeu 2008, en fait, c'était la mode. Donc, ils le font plus maintenant. Ce qui est dommage, au passage. Ils le font plus maintenant, mais avant, ouais, ils mettaient de la physique dans tous les jeux qu'ils trouvaient, en fait. Oh ! Tous les jeux qu'ils trouvaient, ils foutaient de la physique dedans, les éléments qui se bougeaient quand tu tapais dedans, etc. Là, à part Control, en 2022, là, à part Control, j'ai pas beaucoup de jeux qui le font actuellement. Il y a une autre infirmière là-bas. Brisée. Il y en a deux. Aïe. Je peux même pas me... Est-ce qu'il se dit... La télé n'est pas branchée, comment c'est possible? Mec, il y a des infirmières sans visage qui te tapent depuis tout à l'heure. C'est ça que tu te poses comme question, sérieusement? Dans un TV, on joue des types pas humains, ils tuent des 500 mètres et portent un trajet se fondre dans une horde de zombies avant de taper un stream de 10 km. Hey. Critique pas Resident Evil. Resident Evil, c'est bien, ok. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Bah si, elle est pas là. Et on peut sauvegarder. Ok. Bah déjà, ouais, c'est... Tu vois ici que le jeu est plus récent en termes de maniabilité parce que je m'en sors plutôt bien, tu vois. Je peux faire des petites roulades en arrière. Genre, j'ai quasiment réussi mes esquives, j'arrive à tuer les ennemis, etc. C'est un peu dégueu les portes avec les dents. Ouais. Totalement dégueulasse, mais... Il y a des gros cafards ici. La serrure est cassée, je ne peux pas ouvrir la porte. Monsieur, tu te réveilles pas, toi? Oh mon dieu, des gros cafards. T'imagines, tu te fais manger par un gros moustique comme ça, c'était horrible. Ah ! Oui, on peut tous les écraser. Ok, super. Ça va, en fait. Hello ! Vous avez pas l'air très vivant, monsieur. J'ai pas les icônes en entier. Le mec, il défonce toutes les portes. Et tu vois qu'il est un peu plus bourrin que les autres personnages, hein. Genre, il sait se battre. Direct, tu vois qu'il sait se battre, en fait. Vous voyez, j'ai pas les images en... J'ai pas les images en entier, en fait, des éléments que je récupère. On va voir s'il y a la bonne musique dans le jeu, hein. On voit que c'est pas des araignées, sinon c'était finito pour moi. Oh, il y en a trois. Aïe. Oh. Oh, il manque la moitié ici. Comment je me soigne? 3, X. Ah, je peux m'en sortir avec les couleurs, en fait. Y a pas le bouton, mais c'est jaune, rouge, bleu, tu vois, donc ça va. Ferme ta lumière, il dit au début. Bah, j'ai pas besoin si j'arrive à les tuer. Un dessin d'enfant. Ah bah, donne à l'autre moitié du monsieur. C'est l'autre moitié du corps d'en bas, je me demande qui l'a mis ici. Il s'est maintenu, il y a une sorte de clé, la prendre. La clé de la salle d'opération. Je peux pas aller plus loin apparemment. Je ne peux pas passer, la porte est fermée avec une chaîne. J'ai pas la clé? Je n'avais aucune carte disponible. J'ai utilisé la clé de la salle d'opération. Si, c'est bon, ça marche.
Alors pour les infirmières, la lumière les attire. Dès qu'elle est éteinte, les infirmières deviennent immobiles. Oh ! Ok. Régler la machine électrochoc au-delà du seuil d'attaque produit des résultats impressionnants sur les patients. Les patients les plus violents et déprimés deviennent complètement dociles, les effets secondaires sont mineurs. Perte de mémoire, quelques os déboîtés, une jambe fracturée et un patient qui s'est coupé la langue en mordant. Cet accident a été plutôt bel effet secondaire, ce patient était l'un des plus bruyants. J'ai donné l'instruction au docteur de continuer tous les traitements avec ce niveau d'intensité. Le mec il s'est cassé la jambe, on lui a coupé la langue, etc. Et le meuf, il est en mode « Yes, c'est une bonne nouvelle !» Josh, putain, arrête de courir. I can do? Find Robbie. I want my toy. I haven't seen any toys around here. Guess you're not my friend. Okay, I'll go see if I can find him. Encore. Donc là maintenant notre but c'est de trouver un jouet pour que le petit garçon arrête de courir dans tous les sens. Mais je peux sauvegarder ici. Sur ce point, le film a été fidèle. J'ai vu le film, mais je ne me rappelle plus exactement ce qui se passait dedans. Je vous avouerai que je ne suis pas très fan de films d'horreur en général, même les adaptations de jeux. Et je vous avouerai autre chose aussi, c'est que Silent Hill m'a toujours fait peur, en fait. Et là, je me rends compte que finalement, j'ai toujours évité le jeu. Et là, je suis en train de fuser à travers le jeu en mode « Oh, bah ça va ». Le patient a disparu, vu pour la dernière fois dans le salon, après une confrontation, après un autre. Le reste du message est illisible. Pourquoi les gens persistent à vouloir aider des personnes allant d'eux-mêmes dans les lieux hyper creepy et veulent pas d'aide? Mais je sais pas! C'est vrai que le petit garçon il veut pas d'aide et nous on n'arrête pas à vouloir l'aider, tu vois. Je veux dire, bah non, mais. Peut-être que. Au final, peut-être que c'est assez égoïste, hein. Il aide pas pour le gamin, hein, il aide pour lui-même en fait. Oh bah lol. Donc toutes les portes ici sont fermées du coup. On est d'accord, on peut ouvrir aucune porte. C'est parce que le jeu a vieilli aussi un peu avec de meilleurs graphismes, ce serait pareil. Pas pareil je pense, mais ça reste un bon jeu. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce jeu. Bah si je vais ici, c'est la grande porte de tout à l'heure. Faut juste que je trouve le lapin, quoi. Alors ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que on avait vu justement dans The Room une peluche en lapin. Et a priori, c'est pas du tout le... Ah, j'ai sauté en bas. Je ne peux pas... J'ai sauté, je ne peux pas remonter. Mais j'ai rien vu de là-bas, moi, par contre. Il n'y avait rien en haut. Est-ce qu'il est caché dans un coin, le lapin? Ou alors il y a une porte par là que j'ai pas vu. Moi, quand j'étais dans le plus petit, le premier Resident Evil me faisait bien flipper. Mais maintenant, je le fais normal sans peur. Ouais, bah... Ça aide, hein. Peut-être parce qu'on est habitué au jeu avec Screamer, dans un sens Silent Hill, c'est de l'aura psychologique, à la façon Stephen King. Le premier jeu était bourré de références, docteur. Ça le rend peut-être plus supportable. Je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est... au tout début, j'avais toujours très peur en fait de ce jeu, de la série en elle-même. Mais entre-temps, j'ai fait 10 ans de jeux d'horreur après. Donc ça a dû aider, on va dire, par rapport à ça. 10 ans de jeux d'horreur. Ah ben voilà, je voulais voir cette porte. Oh, mais il est là, le petit lapin! Il ressemble vraiment au lapin qu'il y avait dans la chambre de la fille tout à l'heure, dans The Room. Hein, encore un trou dans le mur. On va récupérer le dessin avant. Est-ce que je regarde le trou dans le mur?
Aller à l'intérieur. Comment tu peux aller là-dedans, toi, sérieux? Ah, mettre ta main dedans, ok, d'accord. Encore un autre trou de gloire, comme dirait Steve. Bah oui, c'était pas une bonne idée. Oui, il a une sale tête, là. Oh! J'adore la petite roulade qui ne servait à rien. Moi, après, il y a des jeux flippants quand même quand j'ai du mal, genre Outlast 1. Mais Outlast, c'est rigolo parce que du coup, je peux le faire sans problème maintenant, mais j'ai quand même eu peur, sursauter entre guillemets, en fait, à certains jumpscares après avoir refait le jeu. J'étais là en mode, mais c'est pas possible. Genre, je connais le jeu par cœur et j'arrive quand même à me faire avoir. Oui, Marc, je vais faire Ebola après ça, je pense. Tant qu'à faire. Là, on fait la découverte de Silent Hill. J'ai fait découverte de Silent Hill The Room, là, maintenant de celui-là. C'est pas Robbie, ça? Bon manège à toi, maestré. Merci d'être passé sur le live, ça fait plaisir. Josh. Josh, come back. Where are you going? Josh. Hey, au moins ça ouvre la porte. Jette-lui au visage. Ah, c'est méchant. Yeah, yeah. Attendez, je récupère le dessin avant quand même. Est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, que je me fais attaquer par Pyramid Head? Parce que, clairement, on l'a vu. Hein. Je peux entendre le faible son de l'eau sur le rivage, cela semble venir de derrière cette porte, mais c'est impossible, on est dans un hôpital. Je peux passer pour le moment. Alors, toutes les serrures sont cassées dans le jeu, c'est une maladie de ouf, en fait, hein. T'as aucune serrure qui fonctionne dans le jeu. Bon, je fais comment, moi? Apparemment, je ne peux pas passer... Ah! Ok. Allez, juste appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Je suis bête, hein. Est-ce que tu vas faire du Elden Ring aujourd'hui? Je ne pense pas. Mais demain, ouais. Oh oh. Oh oh. Oh oh. On connaît ce son. Je crois que c'est Tib. C'est Docteur Tib. C'est... Oh. What? C'était un cauchemar! Ouais, je fais les lives en général tous les jours. Pourquoi c'est Tib? Parce qu'il a fait un cosplay... Il a fait un cosplay Pyramid Head.
Nice. Les attaques légères n'assombront pas les ennemis. Utilise les attaques lourdes et les contre-attaques pour assommer rapidement. Ça commence comme RE2, tu sais. Donc ouais, c'est un soldat du coup. T'as quitté Lot Silent Hill ? Ouais, je me suis fait tuer sur une séquence. Et je me sentais pas de la refaire avec la maniabilité du jeu. Du coup, pour pas dire que je fais pas de Silent Hill, j'ai quand même continué sur Lot Silent Hill que j'avais téléchargé. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'histoire de Silent Hill, s'il vous plaît ? Oula ! Alors Clara, là, t'es pas prête. Rentrez chez moi. Genre, t'es vraiment pas prête, en fait. Silent Hill, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'aime bien comment j'ai toujours le couteau. C'est la fiche d'appareil du 150e anniversaire. Genre, je marche avec mon couteau en pleine ville. En mode... on sait jamais. Attention, j'ai un couteau hein. Alex? Judge Holloway. Hey. I didn't know you were home. Does your mother know? She didn't say anything. No, I haven't talked to her. Actually, I haven't really talked to anyone. I'm not planning on sticking around for long. Oh. Well, I hope you get a chance to catch up with Elle. I'm sure she'd love to see you. She's still here? Of course. You know how it is. No one ever leaves this place. D'accord. Yeah. Personne ne quitte jamais cet endroit. Ça veut tout dire. Not for the better, I'm afraid. You should go home. See your mother. Perhaps I'll see you later. Au revoir, Madame Holloway. You look well, by the way. Thanks. Là, Lina, tu viens juste de résumer le scénario de Silent Hill 2, il me semble. Là, on est sur le 5. Pas pareil. Je peux voir la carte ? Oh là là, il n'y a aucun objet. En fait, tout est buggé. On voit pas les trucs en entier. Tous les objets, etc., les icônes, elles sont pas en entière. Les graphismes sont pas foufou ? Bah, Tora, c'est un jeu de 2008. En 2008, je pense qu'il était pas mal en vrai. Oh! Il va pas en parler de ça? Il va pas en parler qu'il manque un morceau? Rise, Tarnish. Traverse pas la rue sans regarder. Tu parles? Je viens juste, j'ai failli tomber dans le vide là. Donc j'étais là. Je suis parti là, donc c'est à gauche du coup. Il dit rien en fait sur le fait qu'il y a un énorme ravin de l'autre côté, mais c'est pas grave. Hein. Tu peux monter le son du jeu s'il te plaît ? On m'a dit de le baisser ! Moi je touche plus au son moi. Le 1 et le 3 sont liés et c'est tout. D'accord. La musique est cool, je trouve.
Pourtant c'est à fond hein, dialogue. Hey! Oh mon dieu, les monstres. Pour esquiver une attaque, appuie sur le bouton d'esquive en anticipation de l'attaque. D'accord. Donc c'est pas pendant l'attaque, c'est... Bon, j'espère que vous avez kiffé, en fait, en tout cas, cette découverte de Silent Hill Homecoming, qui est un jeu qui est sorti il y a de cela quelques années déjà. C'est assez incroyable, en fait, que Silent Hill n'a pas eu de suite depuis tout ce temps, depuis très longtemps, alors que c'est quand même une licence phare. J'espère vraiment qu'on en aura un bientôt. Voilà, c'était tout pour moi sur cette découverte spéciale Silent Hill. Le jeu, il a craché en cochon, quoi, c'est abusé. Tu rentres dans la maison, il s'est fait fin du jeu. Le jeu a craché. Ouais, le jeu a craché.